Le congrès de Wans édition 2019, c'est fini. Et là, c'était vraiment une édition passionnante, effervescente, des conférences d'une qualité, d'une densité absolument impressionnante. Tous les congrès ont été très, très, très intéressants et très utiles pour les personnes qui se découvrent et qui se reconnaissent dans le haut potentiel et qui vont apprendre à comprendre cette nouvelle grille de lecture pour revenir à eux et puis déployer leur potentiel. Et cette année, vraiment, les conférences étaient toujours, comme c'est le cas dans le congrès de Wans, très pratico-pratique, très orienté solution et d'une densité, d'une richesse qui faisait écho très direct à mon parcours, mon évolution, ma lecture de la douance, de la gestion de ses particularités, de son énergie, telle que je propose avec la stress défense et la pleine confiance et dans Power. Et en fait, j'ai pu faire des liens avec toutes les conférences et moi, ce que je fais dans mes accompagnements, mes formations. En ça, j'ai adoré cette édition. Je l'ai, comme l'année dernière, sketch noté. Donc j'ai fait des sketch notes de chaque conférence. Des sketch notes, c'est quoi? C'est des prises de notes avec des images et des mots. Donc là, vous voyez bah, le classeur des notes de cette année que je vais vous faire parcourir juste après de façon un peu plus visible que là, juste devant moi. Donc j'ai été très attentive cette année, plus que l'année dernière, à sketch noter pour vous, pour les participants du congrès, donc à être au maximum exhaustive dans mes prises de notes. Ce qui fait que c'est encore plus dense que l'année dernière, encore plus de pages que l'année dernière. J'avais 24 pages l'année dernière, j'en ai 38 cette année puisque j'ai sketch noté les 12 conférences et l'interview de Monique de Kermadec à la soirée de clôture sur la femme surdouée. Donc voilà les 38 pages que vous pouvez retrouver en scan haute définition dans le pack potentiel du congrès de Wans. Le pack potentiel du congrès de Wans, c'est quoi? Déjà, c'est ce qui permet la pérennité du congrès, de couvrir les frais inhérents à un congrès, de rémunérer aussi partiellement les ambassadrices, toutes celles qui contribuent, l'équipe du congrès. Voilà, on est plusieurs à travailler sur ce congrès, à intervenir. Moi, j'ai fait des sketch notes, ce qui me prend beaucoup de temps, vous vous en doutez. C'est vraiment 2 semaines de mon activité en stand-by où je sketch note et puis je m'occupe avec les ambassadrices d'animer le congrès. Donc, nous proposons ce pack potentiel pour pouvoir vous reproposer le congrès l'année prochaine. Et dans le paquet, il y a quoi? Il y a l'intégralité des conférences du congrès, comme ça vous pouvez les consommer, les réécouter, à votre rythme, parce que c'est quand même très dense, et sur 7 jours de conférences par jour, c'est un rythme qui n'est pas évident à tenir à côté de vie déjà très remplie et effervescente de profs à un profil atypique. Il y a les bonus qui sont proposés par chaque orateur en complément de chaque conférence pour mettre en pratique et aller plus loin les concepts qu'ils présentent dans leurs interventions. Et il y a donc les sketch notes du congrès en version haute définition, page par page, ce qui fait qu'en fait vous pourrez l'imprimer et avoir comme moi le classeur avec toutes les sketch notes. Ce qui permet d'y revenir, de les annoter, voilà, de faire ce que vous voulez avec, mais vraiment d'en profiter. En haute définition, j'ai posté les pages 1. Donc les premières pages de chaque conférence, on est sur 2 à 4 pages par conférence sur mes profils publiquement pour pouvoir sensibiliser, faire passer une partie des messages de chaque orateur. Dans le groupe officiel du congrès, vous avez vu l'intégralité de chaque conférence en basse définition, prise avec mon téléphone. Et donc là, pour le pack du congrès, j'ai scanné chaque page, page par page. Et par rapport à l'année dernière, pour ceux qui ont pris le pack l'année dernière, en fait mon réflexe, moi, avait fait un burn-out. Décidément, le burn-out m'accompagne et me suit. Et j'ai pas pu prendre des photos haute définition comme je l'ai fait l'année dernière, que j'avais retouché, recadré pour avoir des belles photos, des belles images haute définition. Et donc cette année, j'ai investi dans un scanner pensé pour faire ce genre de scan sur des choses un petit peu dessinées. Et vous allez halluciner. En fait, la qualité des scans est vraiment proprement impressionnante cette année. D'ailleurs, je vais rescanner aussi ceux de l'année dernière, comme ça pour les acheteurs du pack de l'année dernière, vous aurez aussi des bons scans. Et c'est impressionnant, c'est vraiment, vous imprimez, vous avez littéralement ma feuille, et même pour moi c'est plus écologique parce que contrairement à les photos que je retouche, que je recadre, là c'est intégralement tout de suite, nickel. D'ailleurs s'il y a des sketchnoteurs qui regardent ces vidéos, je vais vous mettre la référence du scanner en dessous parce que j'anticipe la question, hein, je vous connais. C'est un Canon Scan Lead 300 de mémoire, je l'ai mis hier donc je commence tout juste à faire des muses avec. Et topissime, et du coup c'est cette qualité de sketchnote que vous retrouvez dans le pack potentiel avec l'ensemble des vidéos de chacune des conférences et de la soirée de clôture où j'ai eu le plaisir d'intervenir sur découvrir sa douance après un burn-out, qui a beaucoup parlé à ma communauté axée stress défense et prévention du burn-out. Bien sûr, l'atypisme joue dans le burn-out, c'est vraiment un point très important, ça a été évoqué aussi par Emmanuel Delrio dans ce congrès. Bref, l'ensemble des conférences, les bonus, les sketchnotes. Des ré-sessions de groupe aussi avec Nathalie Alstein, l'organisatrice du congrès. Tout ça, c'est dans le pack potentiel du congrès. Et je vous mets, bah, pareil, le lien sous la vidéo. À vous de jouer et on va parcourir les sketch notes ensemble pour que vous ayez un vrai aperçu.
Voilà, j'espère que cet aperçu vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans le pack potentiel pour retrouver chaque fichier en version imprimable par page, page par page. Et puis, l'ensemble des conférences de ce congrès qui était absolument passionnant et effervescent. Et quant à moi, je vais reprendre une activité normale pour faire une petite référence et retourner à mes accompagnements et à ma formation Power. Et je remercie les participants de Power pour m'avoir laissé cette parenthèse congrès d'Anse pour pouvoir diffuser ce message si important de sensibilisation et d'accompagnement de découverte de son profil atypique qui est assez fréquent, on l'a vu dans cette soirée clôture, après un burn-out. Et pour moi, c'est important pour ça de diffuser ce congrès et de faire connaître la douance dans une lecture résolument constructive avec des clés pratiques pour prendre conscience, comprendre son mode de fonctionnement et déployer son haut potentiel. Et donc, je vous dis à l'année prochaine pour un prochain congrès douance. À vous de jouer et prenez soin de vous, bien sûr.